Sobé est un village situé au nord du lac Debo, dans la commune rurale de Debo. Ici, les populations luttent depuis plusieurs années contre l'ensevelissement de leurs maisons par les dunes de sable. De sable, là, on a le problème de sable. Tu as vu maintenant les maisons. Il nous faut ça que 2 années, il faut mettre à reprendre la construction. Pourquoi? Si le vent maintenant soulève et que le vent là qui va pousser maintenant le sable là, maintenant à éteindre maintenant l'étoile des maisons. Donc à la dernière minute, 2 ans, même si tu n'as pas maintenant à reprendre la construction, maintenant c'est le sable là même qui va faire détruire maintenant les maisons. Yarende ne bonna goro jamende min jidaani to sa sen be mi ledde semen titido yalla sakono min jarende. Wetlands International et ses partenaires œuvrent pour mettre fin à ce problème. Le projet de réduction des désastres d'adaptation au changement climatique, de gestion et restauration des écosystèmes exécuté par Wetlands, CARE et le Centre du climat a entamé un certain nombre d'actions, particulièrement qui vont consister à réduire en ce qui concerne l'impact des changements climatiques sur les différentes ressources. Sur le cas spécifique de Sobé, nous avons, lors de notre diagnostic, nous avons identifié quand même qu'il y a le village qui est envahi par le sable. Il y a l'envahissement du village par le sable. Il y a des maisons qui sont sous le sable. Il y a le fleuve qui est extrêmement menacé. Et nous avons pu, avec les villages, de façon concertée, faire un plan d'action qui va réduire un peu l'impact sur l'avancée de ce sable. Donc nous avons identifié entre autres activités la fixation biologique. Il s'agit d'aller faire, comme on appelle, utiliser des plantes locales qui vont consister à bloquer l'avancée du sable. La complexité du problème exige une approche basée sur la synergie des acteurs. Aussi, Sobé n'est pas le seul village, mais il y a d'autres villages qui sont menacés. Je dirais même que toute la commune est menacée par l'ensablement. Toute la commune de Debo est menacée. Et il va falloir quand même que l'ensemble des partenaires essayent de voir leur pouvoir, leur capacité d'aller vers ceci. La course contre la montre est donc engagée pour endiguer ce fléau, en vue de sauver ce village et protéger le lac Debo et ses ressources.